alors qu'ils viennent de s'offrir un séjour au Nigeria dans le cadre des Invictus Games, le prince Harry et Meghan Markle viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle, qui ne va pas redorer leur blason auprès du grand public. Leur fondation caritative, Archewell, a été déclarée déliquante et n'a plus le droit de lever des fonds ni de dépenser de l'argent. Mais que s'est-il passé? Meghan et Harry auraient oublié un détail administratif selon les informations du site américain Page 6. Le couple royal a laissé expirer les frais d'enregistrement officiels depuis au moins le début du mois de mai, selon une lettre officielle du procureur général de Californie, Rob Bonta. Résultat, le document indique que Archewell a été répertorié délinquante auprès du registre des organismes de bienfaisance et des collecteurs de fonds pour avoir omis de soumettre son rapport annuel et ses frais d'enregistrement. Un statut qui n'est pas sans conséquence, puisque le courrier officiel stipule qu'une organisation répertoriée comme délinquante n'est pas en règle et il lui est interdit de se livrer à des activités pour lesquelles un enregistrement est requis, notamment la sollicitation ou le déboursement de fonds caritatifs. L'organisation peut également faire l'objet de sanctions et son enregistrement peut être suspendu ou révoqué par le registre. Un nouveau coup dur pour Meghan Markle et le prince Harry. La situation n'est, heureusement, pas irréversible. Meghan Markle et le prince Harry peuvent toujours renverser la vapeur en soumettant le rapport annuel de la fondation, en payant le montant qui est dû, sans oublier bien sûr les éventuels frais de pénalité dont ils devraient s'acquitter. Ce n'est toutefois pas la première fois que Archewell se retrouve pointé du doigt. En avril 2023, une enquête des envoyés spéciaux avait évoqué la gestion nébuleuse du duc et de la duchesse de Sussex, avec plusieurs millions d'euros non utilisés sur le compte de la fondation. Soit un bilan philanthropique loin d'être à la hauteur des attentes du public.